multidisciplinaire puisqu'on court dans les trois catégories. L'obstacle en particulier, c'est ce qui est un peu ce qui nous différencie de tous les hippodromes bas-normands. On est très spécialisé dans l'obstacle. On a des courses de plat, quelques courses de trot. On a tous les grands entraîneurs de la région. On a aussi une grande partie des entraîneurs de l'Ouest. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des plus grands jockeys d'Auteuil, qui est David Cotin. Donc à partir de là, on est ravis pour notre public, parce qu'en fait, pour nous, ces jockeys-là, s'ils choisissent Granville, c'est parce qu'en fait, ils ont les chevaux courts déjà, mais aussi ils ont déterminé que l'hippodrome convenait et qu'ils pouvaient très bien venir disputer leur chance sur ce champ de course. Les obstacles sont très bien faits. Maintenant, il faut des spécialistes, des chevaux qui sont très vite respectueux, parce qu'il faut quand même... Il faut quand même sauter, mais il ne faut pas perdre de temps. C'est un parcours rapide, le terrain est juste bon, et quand on a l'arrière-garde, c'est dur de refaire du terrain. Et quand on a un cheval qui a ces qualités-là, c'est assez sympa à monter. C'est technique, il faut un cheval qui sait tourner à droite, à gauche, qui est assez réactif. Il y a des petits fossés, aussitôt il faut tourner. Si on a un cheval un peu nonchalant et qui sait pas trop ranger ses pattes, il est tout de suite à la faute, et tout de suite c'est des longueurs de perdu, et la course est, enfin, c'est les carottes sont cuites. Voilà, donc il faut un cheval tonique qui perd pas de temps et qui va surtout de l'avant pour pas éviter les coups. La piste, elle fait 14, l'anneau de trot et de plat, c'est 1400 mètres. On a 28 obstacles, là c'est pour tout ce qui est cross, que steeple et cross. On a 28 obstacles, donc les plus grandes épreuves sont au mois d'août, donc avec les grands cross, le grand cross qui est le 4 août, et le grand steeple qui se court le 15 août, donc le grand cross 5200 mètres, 28 obstacles, et le grand steeple 4800 mètres. Voilà. Vous savez que bon, on est un hippodrome estival, donc on ne court exclusivement que dans la période d'été. Donc on court en juin, juillet et surtout août, où on a nos trois grandes journées, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand cross et le grand steeple. Voilà, donc c'est là que, on a beaucoup de vacanciers, donc c'est là qu'on a la plus grande fréquentation. On tourne autour de 2000 spectateurs au mois d'août. C'est une belle piste, une grande piste, des tournants serrés, mais il faut avoir mon cheval pour aller au bout, parce que 3000 mètres et deux fois la montée, et pour finir, ça coupe les jambes, donc il faut avoir mon cheval. Pas de piège sinon dans cette... Les tournants après le poteau, ça descend dur quand même. Mais il faut avoir un cheval assez maniable, mais non, c'est une bonne piste. Bonne piste en herbe. Vous savez, président, on est toujours heureux quand on voit que par un bel après-midi ensoleillé, on voit du public, on voit des gens qui sont là à admirer les épreuves. Donc oui, on ne peut pas être plus heureux que quand on a un nombre public. Voilà.